Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le pronostic du Quinté Plus qui se coupera demain, dimanche 31 mars 2024. Il s'agit du prix Luther 3 qui aura lieu à Auteuil. C'est là donc la réunion 1, course 4. C'est un handicap en steeplechase. C'est une listed. Pour les 5 ans et plus, 137 000 euros d'allocation, donc on est quand même sur un quintet de bon niveau. 4400 mètres à parcourir, corde à gauche, et le terrain va être assez lourd. Dans mes souvenirs, ce parcours comprend 18 obstacles. Un bout de ligne droite pas très très long, donc ceux qui sortiront en tête du dernier obstacle auront pas parti gagner, mais pas loin. Voilà, à tout de suite. Avant de poursuivre, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre Passion Course et surtout d'y être fidèles. Vous retrouverez le détail du pronostic dans le blog dont je vais vous mettre l'adresse. Je vais vous retranscrire l'adresse dans la description de la vidéo et dont je vous mets un échantillon là au centre dans le petit rectangle blanc. Merci beaucoup à toutes et à tous pour vos interactions avec la chaîne. Vous l'enrichissez, vos commentaires sont très sympathiques. Ils me déjugent parfois, mais c'est le jeu, hein. Et donc, écoutez, je suis très très heureux du tournant que prend cette chaîne. Je vous remercie beaucoup et n'oubliez pas, un petit pouce vers le haut, c'est ce qui fait le mieux vivre la chaîne et surtout aussi partager avec vos amis turfistes. Merci beaucoup, à tout de suite. Alors, retrouvons tout de suite l'analyse en bref des partants les plus emblématiques de ce Quinté Plus. Lorsqu'ils sont au départ d'un quinté, les 2, 11 et 18 se placent à tous les coups dans les 5 premiers. Les 2, 10, 13, 14 et 15 apprécient l'hippodrome d'Auteuil. Les 2, 9, 13, 14 et 15 excellent sur le parcours du jour. Les 2, 4, 13, 16 s'entendent parfaitement avec leur jockey du jour. Les 2, 7, 11 sont au top de leur forme en hiver. Le 16 accumule les très bonnes performances en steeplechase, hein, 3 victoires et 2 places. Sur 5 courses. Sans œillères, le 13 obtient de très bons résultats. Muni d'œillères australiennes, le 16 surperforme et il est très concentré sur sa tâche, 100% de réussite. Bon, vous me direz, il n'a qu'une course avec les œillères australiennes, mais c'est toujours 100% de réussite, hein. Il s'est bien acclimaté aux œillères. Les 2, 9, 12, 13, 16 et 18 aiment beaucoup le terrain lourd. Donc là, ça va être le cas aujourd'hui. Et les 7, 9, 10 et 15 sont très réguliers en obstacle. Ils ne chutent pas, ils ne refusent jamais l'obstacle. Donc c'est aussi un signal à prendre en compte. Retrouvons tout de suite notre rubrique « Ils réussissent mieux que les autres ». Les chevaux les meilleurs sont le 8, le 15, le 10, le 12, le 3, le 5, le 4 et le 16. Les jockeys les meilleurs sont le 11, le 5, le 14, le 18, le 12, le 10, le 13 et le 3. Les entraîneurs les meilleurs sont le 5, le 3, le 10, le 12, le 2, l'As, le 4 et le 11. Je rappelle pour votre bonne information que ces données sont issues des statistiques et ça va décrescendo. Le tocard du jour, parce qu'il fallait bien en trouver un,
Ben, c'est le 7. Mais bon, c'est des tocards de luxe. Hein. Il est largement au-dessus de 50% de réussite. Donc pour moi, non, c'est pas vraiment un tocard. Et donc, bah, par contre, je ne le vois pas arriver dans les 5 premiers. Mais ça, je laisse le soin à d'autres que moi de me dire si je fais bien ou pas, de ne pas l'attendre dans les 5 premiers. On continue. Et donc, on retrouve nos écarts. Et les écarts chevaux, eh bien, les 1, 3, 8, 11, 14 et 15 sont sur le point d'atteindre le niveau de leur écart moyen. Et le 7 est déjà à l'écart moyen. On poursuit avec les écarts jockeys. Les 12 et 13 sont sur le point d'atteindre leur écart moyen. Le 7 est à l'écart moyen. Et le 5 et le 11 sont à l'écart moyen et sont sur le point d'atteindre le niveau de leur écart anormal. Et pour finir, les écarts entraîneurs. Les 1, 3, 4, 10 et 11 sont à l'écart moyen. Je rappelle que l'écart moyen est et en fait, on parle d'écart moyen, c'est quand l'écart actuel, donc c'est-à-dire le nombre de courses où il n'est pas arrivé dans les 5 premiers actuellement, eh bien, correspond à son écart moyen. Je rappelle que l'écart moyen, si vous voulez voir le tableau, vous pouvez le retrouver dans le blog. J'ai mis les tableaux aussi bien sur les jockeys, sur les entraîneurs que sur les chevaux. Donc vous pouvez regarder ça et vous allez comprendre. Et si besoin, posez-moi des questions dans les commentaires. Et on retrouve mon pronostic du jour. Avec en base, j'ai choisi les 10 et 13. En première chance, j'ai choisi les 2, 4, 5, 9 et 16. En seconde chance, le 15, le 12, le 11, le 18, le 14, le 8 et le 3. Et les outsiders seront les 17, l'As, le 7 et le 6. Voici mon pronostic Quinté Plus en 8 chevaux. Alors c'était un peu plus dur que d'habitude puisque là nous avons 18 partants. Mais on s'en sort quand même. Donc j'ai choisi les 4, 13, 8, 1, 5, 10, 2, 3 et en cas de non partant le 18. Je précise que vous avez tout loisir de discuter avec moi dans les commentaires et éventuellement me faire changer d'avis. Et auquel cas, je ferai un petit rectificatif demain matin. Voici mes conseils de jeu du jour. Alors, je vous propose au choix un multi en 6 champ réduit flexi avec en base le 10, 13, 8, 1 et deux chevaux de champ réduit et en chevaux de champ réduit donc le 4, 3, 5 et 2. Je vous propose un quinté combiné en 6 chevaux avec le 4, 13, 2, 8, As et 10. Je vous précise que vous pouvez le jouer en flexi 25 et ça ne vous coûtera que 3 euros. Je vous propose un tiercé en combiné 5 chevaux en flexi 50. Vous ne pouvez pas le faire en flexi 25 celui-là. Hein. Et ça nous fera donc du 4, 13, 8, 1 et 10. Je vous propose également un 2 sur 4 en combiné flexi avec le 4, 13, 8, As et 10. En flexi 25, ça doit revenir à quelque chose comme 4,50 €. Et pour finir, un jeu unitaire placé avec le 4, le 13 et le 8. Voici venu le moment de vous remercier de votre attention.
Et de vous remercier aussi de vos interactions avec la chaîne, de votre assiduité à la suivre. Et je vous remercie bien sûr de vos likes, de vos commentaires et de vos abonnements, puisque ils sont le socle de la vie de cette chaîne. Merci beaucoup, merci, merci, merci de votre engagement. Merci de vos commentaires sympathiques surtout. Et n'oubliez pas, hein, comme ça, et non pas dans l'autre sens. Hein. Je ne le fais même plus parce qu'il y en a qui continuent à m'en mettre. Alors je ne veux pas les tenter. Hein. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie pour tout. Et je vous dis à bientôt. Ciao, à demain.